Le mot, vous savez l'expression no comment, très intéressante. Ça vient du français comment? Pas de commentaire. Le commentaire, c'est dire comment. Et j'ai dit à quel point parfois il fallait se méfier des commentaires. Parce que les commentaires, un peu, c'est l'aveugle. J'ai déjà parlé, vous savez, la parabole de l'aveugle. Le commentaire, c'est quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut savoir de la chose. Qui vous dit comment comprendre la chose. Comment comprendre, commentaire. Qui vous prend par la main en vous disant ce texte-là, voilà ce que ça veut dire. Ou cette situation, voilà ce qu'il faut comprendre. Vous comprendrez bien que je suis très, très sceptique et très sur mes gardes concernant toute forme de commentaire. Car le commentaire, c'est l'occasion du déni. Le déni, c'est une forme de commentaire. C'est-à-dire, oui, mais ça, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Non, ça ne veut pas dire ça. Encore hier, je discutais au Café des Psaumes avec une jeune femme et je lui exposais un certain nombre d'observations textuelles. Et alors elle me dit, ah, il faut comprendre ça comme ça. Moi, je veux voir ça comme ça. Moi, j'aime pas trop ça. D'un autre côté, vous savez, moi, mon discours, c'est sur les aveugles. Donc, effectivement, l'aveugle, il a besoin de commentaires. Il a besoin d'explications. Il a besoin de description. Parce qu'il n'a pas accès directement à l'objet concerné. En fait, il ne capte pas l'objet en tant que tel. Il ne capte qu'à travers des grilles, qui sont soit ses propres grilles qu'il projette, soit les commentaires d'autres personnes qui lui disent ce qu'il faut lire, ce qu'il faut comprendre. Bon, tout ça n'a pas ma sympathie, comme vous pouvez l'imaginer. Et cela dit, j'ai beaucoup consacré de temps aux commentaires. Puisque ma première thèse de doctorat, que j'ai soutenue en 79 et qui est parue en 85, sur le monde juif et l'astrologie, mettait en avant le rôle de l'astrologie dans le cadre des commentaires bibliques, par exemple. Pas seulement, mais le Midrash, etc. Agada, c'est d'ailleurs ce qu'on dit, le discours qu'on tient sur. Voilà, Agada de Pessah. Et donc, le commentaire, le Midrash, cette façon de dire comment il faut comprendre les choses, qui vient compléter le texte, qui vient apporter un autre éclairage. C'est quelque chose qui est fascinant sur le plan culturel, bien évidemment. Tout comme, par exemple, bien évidemment, les commentaires des centuries de Nostradamus. Alors là, si effectivement Nostradamus a été le foyer de quelque chose, c'est bien le foyer d'une exégèse, le foyer de commentaires. Comment faut-il comprendre tel quatrain? Comment faut-il, ou plutôt même, comment le quatrain peut-il commenter l'événement? Ou comment l'événement peut-il éclairer le quatrain? J'ai soutenu en 2007 un post-doctorat à l'École Paris d'études, 5e section, Histoire du catholicisme, sous la direction de Louis Châtelier, sur la naissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle autour de Jean Giffré de Réchac, et c'est évidemment autour du commentaire. Donc vous voyez bien que moi-même, quand je fais la critique de certaines choses, j'ai un objectif que j'y sois étranger, que je ne connaisse pas le sujet. Bien au contraire, je sais ce que c'est que le commentaire, je sais quel est le poids du commentaire, mais je m'en méfie comme de la peste. Parce que justement, j'ai découvert que le commentaire faisait écran, faisait obstacle à l'observation purement et simplement des choses. Et que dès que vous commencez à dire aux gens « voilà ce qu'il faut, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il en est », vous faites un commentaire au lieu tout simplement de voir les choses en disant « voilà ». Si je dis par exemple « voilà ». Cette main est posée sur le genou, c'est pas un commentaire, c'est une observation, j'observe. Et tous les gens qui ont des yeux pour voir, voient que cette main est sur le genou. Il n'y a aucun commentaire à faire à ce sujet. C'est aussi simple que cela.